made me funky. And I'm glad he made me that way. Yeah. Must start to do it again. Hell yeah. God made me funky. And I'm glad he blessed me that way. Cause I'm one funky brother. Now when I'm talking about the funk, I'm not talking about a smell, you know what I'm saying? I'm talking about a groove. It's a groove that most brothers can't achieve. You know what I'm saying? You got to be funky. Get some of this, you know what I'm saying? To understand a groove like this, you got to be funky. And if you ain't funky, don't worry about it. Cause you can't understand my groove. My groove is so complex, you know, comes from a way back, you know. Like I said, George Clinton, James Brown, you know. When folks in our own behalf, you know what I'm saying? Allez, c'est parti, mon kiki. Salut tout le monde, comment ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Salut Nidouille. Je vais baisser un peu la musique. Hop. Faut que je fasse ça, comme d'hab, tout a sauté. Hop. Ok. Voilà, ça devrait être bon. Ma voix est loin. Ok, on va changer un peu ça. Je pense qu'il faut que je modifie un peu le gain qui est à fond. Hop, on va mettre un petit peu plus de gain par là. Voilà. Le son est bon. Tout le monde est là. C'est nickel. Alors, j'espère que ça va bien. Moi, ça va un peu mieux. J'ai eu 15 jours d'antibio. J'étais malade comme un chien. J'ai plein de merde. Et là, j'ai le plaisir des antibio dans le ventre. Donc c'est... Bon, si vous me voyez courir, c'est que voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à faire? Petite tête, ouais, j'ai une petite tête encore. Et il est avec oui. Bon, en fait, je suis passé par la phase, l'autre phase, pendant 5 jours. Et... En fait, je préfère avoir la phase maintenant que la phase d'avant. C'était pas évident. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que, si, 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 il y a des trucs importants que je vais vous dire. Normalement, jeudi et vendredi, moi j'y arriverai mercredi soir, je crois, on sera présent, je serai présent avec deux potes, au camping des speakers en Bretagne. C'est important, Nidouille. Donc, on verra notre copine Nidouille. On va voir Chavenet. On va voir Olivier Ponchetto. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? J'en oublie sans doute. J'en oublie. Mais je vais quand même vous montrer le camping des speakers. Hop. Donc, c'est là. Je vais quand même faire. Je vais en parler quand même 2 minutes parce que. Important, j'ai baissé encore un petit peu la musique parce que hop, voilà. Donc c'est en Bretagne. Ce qui est intéressant, bon, on va tous se retrouver là-bas.
tu héberges Monsieur Chavenet, Nila, assez cool. Bah, de toute façon, apéro mercredi et jeudi soir, bien évidemment. Et nous, on va arriver. Je suis pas sûr qu'on arrive très très tôt mercredi soir. Nous, on a quoi, trois. Je pense qu'on a trois bonnes heures de route. Hein. Parce qu'on en récupère un. Ah non. Un qui part. Enfin, en fait, on fait deux voitures et nous, on passe à Granville. On part de Granville, on va à Rennes et puis. Donc, ça doit être à combien de... Il y a quoi, 1h40, 1h30 de Rennes. Donc, nous, on a pour 2h30. Salut Olivier, comment ça va? Faudra que je te salue quand même. Coucou, coucou. Olivier, je sais pas si tu es au courant, mais va falloir qu'on porte Nida, je pense, parce qu'elle a toute l'artillerie. On n'est pas en Bretagne, on a une heure de la Bretagne. On est en Normandie, et on met une heure à aller à Rennes, et après de Rennes, je pense que c'est une heure... Une heure un quart, enfin, je vais regarder. Rennes, et c'est à... Je retrouve exactement où c'est le bled, parce que... à Baden. Baden ou Badin? Je crois que c'est Badin. Hop. 1h30 de Rennes. Wow. Ouais, on met 2h30. Et toi, t'es où, toi, Olivier? T'es à Paris? 1h30 de Rennes. Bon, bah, c'est ça. Donc, on va partir vers 15-16h. Donc, salut, Denis. Comment ça va? Et ouais, je vais arriver. On arrive le mercredi soir, du coup, c'est ça. Donc, ça va être sympa. On a un mobilhome, donc on va pouvoir se prendre l'apéro tranquillouze aussi. Salut Electro, j'espère que ça va. Nidou, il faut qu'on se chatte avant mercredi. Que j'en profite pour t'amener des trucs. J'ai pas mal de trucs pour toi là, mais s'il y a un gros truc à emmener, bah, je pourrais te l'emmener. Tu me diras si t'es en bagnole ou pas. Donc voilà, ça va être cool. Il y a plein de conférences vachement, vachement sympas. Il y a du beau monde et moi je suis content. Code de conduite, info pratique. Les speakers, on va regarder qui c'est qu'on a. Bon, on a tout le gratin là. Et you, Olivier? Il est là. Regardez. Créer sa propre VM avec compilation JIT pour les nuls. Donc ça va être cool. En plus, c'est bien parce que vendredi 10h15, tout le monde doit être debout. Oui, ça va bien, Electro, merci. Je peux donner une grande TV cathodique. Il y aura des trucs en ligne, je ne sais pas. Olivier Vogosk, c'est clair. Est-ce que c'est streamé? Je suis pas sûr que ça soit streamé parce que bon, ils m'ont dit qu'il y avait du wifi et tout ce qu'il fallait. Je suis pas sûr qu'il y a du wifi pour que tout le monde commence à tabasser. Nous on avait dit avec Olivier et Nida qu'on essaierait peut-être de se faire un petit live ni streamé ni capté en fait. D'accord. Enfin j'ai des... Pardon, j'ai des épines de fibres de verre dans les pattes. Et on essaiera de se faire un petit live à 3 là pendant l'apéro le jeudi soir peut-être. Ouais voilà, c'est ça Olivier. On va bien se débrouiller. Faut qu'on se chatte aussi. Je vais peut-être prendre une petite caméra avec moi. J'ai un PC, on va se débrouiller même avec un téléphone, ça peut le faire. Hein. C'est pas un... Ça va le faire. Je m'inquiète pas. Et nous on repartira du coup... T'as ton PC, bon bah impec. Et on embarque Chavenet dans le live, tiens, voilà. Et nous on repartira, je pense vendredi midi. Ouais, vendredi midi, parce qu'on a 2h30, 3h de route. Et après on enchaîne réunion, j'ai une réunion à Granville à 16h. Et puis après j'ai un week-end avec notre partenaire, que Nidou connaît,
avec Blue Mind qui vient nous, qui vient à Granville, qui vient à Granville, toute la boîte vient à Granville passer le week-end. Donc c'est bien sympa, on l'a fait chez eux l'année dernière. On a été les voir à Toulouse et après on a fait 3 jours dans les Pyrénées à faire du ski et tout ça. Et l'anniversaire s'est très bien passé, c'est, bah, on a fait un truc hier après-midi en famille, c'était cool. Et puis hier j'étais encore un peu juste, donc tu veux que tu t'inscrutes à Granville, bah, si tu veux. Mais je vais parler de tes lives et tout ça, j'en ai parlé avec qui déjà? Bah, j'en ai parlé avec Erwan, Erwan que tu vas voir, qui est le nouveau directeur de technique d'ITSMNG. Donc ça, tu pourras en discuter, c'est un ancien d'OCS aussi. Et il y a un autre collègue à moi qui lui s'occupe de tout ce qui est GLPI et de tout ce qui est OCS. C'est lui le chef d'OCS en fait, qui fait tout qui décide un peu du développement qui est fait dans OCS Inventory. Donc je suis content que tout le monde puisse se rencontrer et puis j'espère qu'il j'ai pas regardé quel temps il va faire à Baden. Mercredi, jeudi, vendredi, il fait pas hyper beau, mais il flotte pas. Donc nous, en tant que normand, ça nous va bien. Salut PDP, comment ça va? Ça roule? Je sais pas si vous entendez. Non, je sais pas. Ça... Si vous entendez un moteur, vous allez comprendre. Je vous expliquerai ce qui se passe. Donc voilà pour le programme de la semaine prochaine. Donc du coup, samedi prochain, bah, pas de live, je serai avec Blue Mind en week-end partenaire. Et je ferai peut-être plutôt un live du coup dimanche. Voilà, ça c'est là pour la news de la semaine. J'ai commencé mes cours de C, donc je reprends une formation complète de développement qui a commencé vendredi. Ah, salut Javenet, ça va? La PDP, je t'ai déjà dit, oui. Oui, ça va. Je t'ai dit déjà oui, salut, oui. Et donc, j'ai commencé mes cours de C, je suis super content. Et puis, je vous expliquerai un peu comment ça avance. Mais je suis super ravi. Et puis, voilà, je crois que c'est tout. J'avais un petit dossier sous le coude, là, à vous faire cet après-midi. J'ai fini les Neo Geo. Et puis, j'ai reçu cette semaine, parce qu'on m'a demandé de faire ça. Un ODE pour Saturne, et je crois que ça va finir un peu les épisodes ODE et compagnie. Donc là, on va s'occuper de ce qu'on appelle... Oh putain, Chavenet, qu'est-ce qui t'arrive? T'es en bascule? J'ai pas ouvert GDB. Promis. Et puis c'est pas de mal à veille que je l'ouvre, je pense. Et non, je suis trop content. Là, on a fait 4 heures non-stop de C. On a recommencé depuis le début. Rien que ça, ça m'a permis de... Enfin, ça m'a mis exactement des... Je me posais beaucoup de questions sur plein de trucs. Et là, c'est beaucoup plus clair pour moi. Les fous qui font des destructions. Ah ok, t'es à la bourre, alors il n'y a rien de catastrophique. Et Fred, j'ai eu Damien au téléphone, je sais pas si t'as dit. On en parlera dans la semaine alors, si on se voit. Et donc, alors, je vais pas changer de sujet. On va faire la petite Saturne, c'est pas bien compliqué, hein, j'ai l'impression que c'est un peu du plug and play ce mode. Je vous rappelle ce que c'est qu'un ODE. Hein. Un ODE, c'est un Optical Drive, Disk Emulator. Ce qui veut dire que... je vais chercher la bête. Hop. Ah si, il faut que je vous montre un peu de ce qui a changé dans le fond du bureau. Merde, dans le fond du bureau, parce que il y a un petit peu de changement. Donc, il y a un fainir. C'est ça, ça arrive
dans une petite boîte générique. Voilà. Hop. On va mettre à côté. Deux petites nappes, hop, nappe comme ça. Alors, il y a une nappe qui fait 20 points et une nappe qui fait 21 points. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et. Ah oui, on a une chez ma CNC que j'avais pas ouvert, enfin que j'avais laissé au bureau depuis 2 ans. Et j'ai une petite graveuse laser qui est par là, juste derrière le microscope, le binoculaire, je vais vous le montrer après. Donc ça, je vais vous mettre ça là, comme ça. Et j'étais à la bourre dans le live parce que je ne trouvais pas de manette, ni de cap Péritel. Bon là. Merci Gousdef pour le follow. Lecteur de. Ouais, un ODE, c'est ça en fait. On fait croire à la console un émulateur de disque en fait, tout simplement. Et donc tu as une carte SD sur laquelle tu vas mettre des images des disques. Et puis bah merci Ponceto pour la référence et merci à GooseDev d'arriver. Bah, nous on fait du bricolage, on bricole des consoles, on va refaire quand même je pense pas mal d'électronique là après. Puis c'est cool, on se prend pas trop la tête. Et puis je suis bien entouré de Nidouille, de Monsieur Le Finnois, d'Olivier, j'en passe, et des très bons aussi. Donc là vous avez un petit ESP quand même sur l'ODE, vous allez voir c'est pas mal foutu. Vous avez le lecteur de carte micro SD, vous avez des petits connecteurs pour alimenter. Là, vous devez avoir un petit régulateur ou quelque chose dans ce goût là j'imagine. Voilà, là vous avez, hop, que je vous montre, le Xilin, le FPGA qui doit gérer tout le software de l'histoire. Et puis ça je ne sais pas ce que c'est. Et puis là vous avez les deux connecteurs qui vont prendre la place du lecteur de CD en fait. Donc il y a une nappe à brancher et je crois une allume. Je vais pas regarder la doc plus que ça, mais c'est pas bien, hein. Ça a pas l'air d'être bien compliqué. Et GooseDev 3 dodo. Ah, j'en pense qu'il y en a un qui vient aussi en Bretagne. Ah, c'est cool. Ah bah c'est qui les quel speaker, donc on en profite là. Faut qu'il se présente. Ouais. Bah je viens. On est trois nous. Il y a moi, il y a Ron. Je vais l'appeler Ron, qui s'occupe du TSMNG, et vous avez Gilles qui vient aussi, qui lui s'occupe chez Factor FX de toute la partie dev, de la boîte, et dans son giron il a toute la partie OCS Inventory du projet OCS. Comment gérer une journée de 35 heures? Ah bah putain, ouais, ça c'est clair. Ah, je serais pas là pour voir, merde, je serais reparti.
d'expression attribuée comme du papier à musique, si la présentation aurait pu également s'appeler « Comment être chef d'orchestre m'a permis de hacker mon cerveau ». La passion s'exprime par ma vie de famille, la musique et le développement. Alors comment jongler avec mon emploi du temps chargé, ne pas devenir fou ou de finir en burn-out. Dans cette présentation, je vous parlerai des parallèles que je vois entre la direction d'orchestre et la gestion d'un agenda au rythme moderato donné par ma baguette de chef d'orchestre. Je vous partagerai mes astuces, qui vous aideront peut-être à mieux organiser votre emploi du temps et survivre à ces journées bien chargées. Bon, bah c'est cool ça. Donc c'est Sylvain. Et Sylvain, t'es vraiment chef d'orchestre, c'est ce que nous dit Olivier. Excellent. Et il bosse chez Zinica. D'accord, ok. Bon, bah écoute, bienvenue. Et puis, on va se voir dans 3 dodo, comme je dis. C'est cool. Bah écoute, c'est bien, Fred. Hein. Plus on est fou et plus on rit. Hein. Et on va pouvoir faire des foufous, c'est dans un camping. Hein. On risque rien. Faut des grands enfants comme nous. Hop, bon, j'ai commencé à ouvrir la Saturne. Je vais le faire avec vous comme ça, hein, vous voyez ce que je fais. De toute façon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, je sais qu'il y a Top Clean. Je vais faire un shout-out à Top Clean. Top Clean. Top Clean. Non, c'est quoi? C'est slash quoi? Slash. Merci Alain de ton follow, c'est cool. Mode bouclier, pourquoi j'ai fait ça? C'est pas ça. Ah, il faut écrire shootout, ok. On va faire un shootout à Top Clean que je regarderai en repli tout à l'heure parce qu'il est en train de tester la. Il est en train de tester la Debian 12. Donc ça a l'air cool. Alors c'est bizarre parce que je sais pas. Vous pouvez me dire Olivier, tout ça, ça a été release quand? Parce que j'ai essayé de voir. Cérémonie, plus de boulot de la semaine. Minzer, j'ai pas suivi. Ah, ça a été réalisé hier. Ah oui, donc c'est pour ça que c'est pas arrivé sur tous les miroirs encore. Regardez, c'est le bordel à mon bureau, mais toutes mes consoles, elles sont bien rangées, emballées dans du plastique. Salut le Viking, ça va? Alors, je vais faire un truc tout de suite avant de faire des conneries. Parce que celle-là, elle marche en 110 volts. Ah oui, c'est pour ça. Moi, j'ai un miroir chez Free, là. Oui, 35 à 40 heures Zenica, 10 à 15 heures école de musique, en plein de trucs, vous verrez dans le talk. J'ai déjà le Damien 12 en tête depuis quelques semaines. Ouais. Voilà, j'ai du 210 qui arrive là. Du 110, pardon. Hop, allez, on ouvre. Non, sur 12, s'il fait beau, ça va être. J'ai foutu la version bêta de Proxmox avec une Debian. Ah ouais, cool. Florian, et ça donne quoi alors? C'est bien. Allez, joueur. C'est la bonne école, Florian, non? Tu vas peut-être même y rester. Bon, ça va pas.
Allez, hop. Ah ouais, Proxmox 8 est sorti cette semaine, j'ai vu ça aussi, ouais. Ouais, ça bouge là, c'est bien. Vous avez vu mon petit chat d'introduction là-haut? En fait, j'avais la flemme de faire une vidéo là. Du truc que j'ai dit, ça, le petit chat, c'est pas mal. Ça, c'est laquelle, la cam? Ah. On va faire comme ça. Hein. C'est pas le truc le plus joli que j'ai fait. J'ai encore joué avec mes USB, mon système D et compagnie, et je crois que j'ai encore foutu un peu la zone. Bon, alors, vous voulez pas dans le bon sens, mais c'est pas très grave. Hop, je vais couper ça parce que c'est surexposé à fond. Alors là, je pense que vous avez, bah, comme d'hab, hein, vous avez là, hop, mère de la console. Donc du coup, si je comprends bien, on ajuste on va déconnecter le lecteur CD. Là il y a une petite masse à enlever qui est là, qu'on va enlever tout de suite. Je vais faire un petit tour quand même dans la doc d'install, parce que là, ah, le chat, l'année prochaine je rajoute hyperviseur sur OpenBSD. T'as eu des merdes pour l'upgrade, l'impression qu'il y a plus de problèmes sur Debian. Pareil, mon PC 2 ans avec une Arch Linux, c'est zéro problème. Voilà. De toute façon, la grande conversation, ça. Hein. Alors, on va regarder comment Fenrir installation. Tac. Installation. Alors, on va mettre ça comme ça. Ça, merci ma chérie, excellent. Ah, je suis content, c'est cool. Oh là,
Eh ben, y a un Foréa qui nous raid avec 139 personnes. Salut un Foréa, bah, j'étais connecté chez toi. Ah bah t'as vu Madame Fixou qui est passée. Merci Thomas pour le raid, c'est cool. Salut un Foréa. Bon, j'imagine que je t'ai quitté tout à l'heure, t'étais en train de parler des téléphones portables. Et aujourd'hui, dans le Fixou Lab, qu'est-ce qu'on fait? Salut Ouba. C'est le Vendix, c'est ça, exactement. Salut Dark Bavard. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'installer un ODE dans une Sega Saturn qui vient d'être ouverte. On est en train de regarder comment ça se connecte. Alors, Ouba, je t'ai dit bonjour. Olivier Isère, salut. La petite potière, coucou. Je crois que je t'ai déjà regardé par l'intermédiaire d'un Foréa. Et ici, ça parle de, bah, ça parle d'open source, d'électronique, de rétro gaming, puis un peu tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de. Salut Atypique, salut Igara Girl, salut Nourciboul, salut tout le monde. Bah écoutez, c'est sympa de passer un petit moment avec nous. Salut Black Wolf. Ah bah, du monde. Et donc, ce fameux Fenir qui est là, en fait, ça va venir. En fait, c'est un émulateur de ça. Là, vous avez le lecteur CD de la console, en fait. Et en fait, on va plus utiliser ça. On va utiliser... ouais, c'est une CNC qui est là. Juste là. Et on va en parler... on va faire l'install de ça, et après, on va aller en parler juste après, parce que... l'autre soir avec mon collègue d'ITSM, on devait s'en occuper, et c'était quand mardi soir, et en fait on a regardé le live d'Emile, et on s'est tellement marré que bah, du coup on a discuté, on a papoté, on a regardé Emile, et puis on a pas fait ça. Qui c'est qui arrive aussi que j'ai pas salué? Dark Babar, c'est bon. Et donc, en fait, oui, je reviens au sujet. Donc ça, c'est le lecteur CD-ROM classique de la console. Et en fait, ça va être remplacé par ça, dans lequel vous avez un ESP qui va être capable de présenter à travers le Wi-Fi une petite interface web pour faire, pour uploader des fichiers dans la carte SD, par exemple, ou changer des jeux. Et dont le principal rôle, comme vous devez connaître des émulateurs de... Enfin, pas des émulateurs, des monteurs d'images comme vous avez sous Windows, comment ça s'appelle? Bah, quand vous montez une image ISO, bah, en fait, il va avoir tout un tas de fichiers ISO sur la carte SD. Et son job, lui, ça va être de monter l'image ISO et de la présenter à la console, de présenter ce fichier-là, comme si c'était le CD qui était... dans le lecteur de CD-ROM, en fait. Coucou Demon Tool, c'est exactement ça. Et bienvenue Maître Fézier. Comme un Demon Tools. Donc normalement, la carte doit être formatée en FAT32 ou en XTFAT, en XFAT. Et puis voilà, je crois que c'est tout. On va tester ça. J'ai préparé une carte SD avec tout ce qu'il faut dedans. Hey, t'as eu ta période Demon Tools. on est beaucoup à avoir eu cette période là. Et en fait, clairement, alors le mode, je trouve qu'il est un petit peu cher parce que ça vaut 110 euros, je crois. Et une console comme ça en loose, la Saturn, puis t'as eu un salaire. C'est ça, ça résume bien. Ça excuse pas à l'avant. Mais ça explique l'après. On a tous passé par là. Et ouais, donc plutôt que de graver tous les jeux, on est censé gagner aussi un peu en temps d'accès. Mais je ne suis pas sûr qu'on gagne beaucoup. Sachant qu'on vient quand même se connecter sur le bus. On va vraiment émuler le lecteur de CD. Donc on va voir. On l'installe et puis on regarde un petit peu comment ça fonctionne. Je vous mets là ou là. Là, ouais, ça va être...
Pourtant, ça va être relativement rapide, je pense, parce que là, j'ai ça branché. Les contacts, ils sont devant ou ils sont derrière? Ça va, c'est pas trop compliqué ça. Hein. Pas besoin de souder, pas besoin de quoi que ce soit. J'ai une carte SD, bien sûr. La carte SD, je vais la mettre. Je vais la mettre là. Hop. Je vais mettre ici. Je vais brancher la console sur la carte d'acquisition comme ça. Vous aurez le retour. Alors, en bruit, ça c'est sûr. Je sais pas si vous vous souvenez avec la Dreamcast comment c'était les crises de rire avec quand on avait mis le BSD dessus. Je change de switch. Toc. Toc. Je vous mets là. Ah si, il faut que je fasse ça quand même. Cherche la bonne formule pour que ça puisse sortir correctement. Je vérifie quand même un truc. Hop. Là qui s'affiche, oui, ok. Donc normalement, si j'appuie là, vous devriez être synchronisé là. Ah, ça y est, c'est bon. Ok. En fait, hop, ça boot. Bah oui, bah attends, ça boot, mais je crois que j'ai fait une connerie. Vous voyez ou pas là? Ouais, en fait, vous voyez pas ce que je suis en train de m'arracher les cheveux à faire. Hop, voilà, j'essaye d'enfiler la petite nappe qui va bien. Il y a du jus, je vous confirme.
Ok. Tac. Comme ça. On rallume. Je vous mets là. Et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Et du coup, niveau ergonomie, comment ça se passe avec cette carte et le boîtier de la Saturne? Alors, je t'explique. Bon, ça a l'air d'être bon. Je t'explique comment ça fonctionne théoriquement. Je te montre le truc. En fait, t'as la console qui est... zoomer à fond mes webcams en fait. En fait là t'as l'ODE qui est là. Et normalement ce qui se passe c'est que tu peux aller sur internet. Tu peux aller sur internet et en fait là, en fonction des consoles que tu as. Tu as un truc à imprimer en 3D qui vient soit présenter ça ou soit ça se met comme ça pour, de manière à ce que tu aies accès à la carte. Ceci étant dit, la carte, l'accès à la carte, une fois que c'est bon, on s'en fout parce que tu vas pouvoir leur envoyer tes jeux directement par le Wi-Fi en fait. Attends, je vais quand même brancher une manette. Je fais juste les tests. Deux tests, on la referme et puis après on joue 5 minutes. Hop. Et si j'ai bien compris le process, en fait... merci, Mickaël. En fait, si j'ai bien compris le process... je vais peut-être baisser un peu le son, là. Le process, il doit pas être bien si compliqué que ça à faire, en fait. Car, en gros, je pense que, par défaut, le menu qu'on voit d'exécution, là, de choix du jeu, il doit être chargé... directement en émulation, t'as un premier jeu qui arrive quoi. En fait, c'est ton premier code qui est exécuté, qui est ton loader de ROM et compagnie. En fait, c'est pas. Et en faisant comme ça, je pense que tu court-circuites tous les problèmes, toutes les protections de CD et compagnie. Et je crois aussi, hop, Fenrir sur GitHub, on doit avoir toutes les sources du truc, hein, je crois. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pour ajouter un... Ok. Qu'est-ce que tu me dis, là? Je me suis pas branché sur le bon truc. Ok. Ouais, c'est ça. Il est vu comme un... Il est vu comme un jeu, le... L'ODE. Y a pas des trucs sympas qu'on peut essayer, là? Ça, c'est cool. Donc, vous avez vu, c'est un petit mode qui est pas compliqué à mettre en route. Qui est pas destructif, parce qu'on casse rien, on touche pas à la console. Ça, vous le mettez bien de côté, parce que les lecteurs... Les lecteurs de Saturne, ça vaut des sous parce qu'à la base c'était quand même des super. Apparemment, c'est des lecteurs JVC qui cartonnent. Normalement, là ça charge. Yeah.
Après, je suis pas sûr d'avoir le bon ROM 7 et compagnie, mais bon. Qu'est-ce qu'on a là? On a des contrats, du Darius, du je sais pas quoi. Final Fight. Final Fight. Voir si ça fonctionne. Ouais, tu vois, je suis pas sûr que. Vu qu'on émule vraiment le CD, à mon avis, l'interco du bus, enfin le. Bah si, la nappe là, c'est vraiment le bus data du. Bon, qu'est-ce qui. Ah oui, il faut 4 mégas. D'accord, ok, alors, regardez bien. Là, j'ai une cartouche. En fait, sur les Saturn, il fallait. Il y avait 2 mégas, 2 mégabits de RAM. En fait, ils ont vendu des cartouches qu'on mettait dans le lecteur de cartouches avec 4 mégabits de RAM pour faciliter apparemment le développement de certains jeux parce que ça devait pas, les 2 mégas ne devaient pas être tout à fait assez pour les développeurs. Final Fight. Allez. En fait, pour ces consoles-là, pour faire marcher il y a plein de trucs. Hein. Le full ROM 7, là, décompressé, il fait 280 gigas quand même. Hein. Duke. Duke Nukem 3D. Allez, on essaye ça. Duke Nukem, c'était cool ça. Notre toute première LAN, on les a fait avec Duke Nukem, nous. Ça rend mieux à travers la carte de. Est-ce que vous avez le son du jeu? Si ça marche. Hollywood Holocaust, putain, ça c'est ouf. Bon, la manette, c'est pas pareil. Hein. Comment on tourne? Ah oui, allez. Gros pixels, tu vois, et. Ah oui, d'accord, ok, ça y est.
Mais en fait, j'ai pas de stick analogique, donc je peux pas tirer en hauteur. C'est chelou, ça. Ah si, je peux rentrer par là. Hein? Je me rappelle plus où il faut aller. Attends. Ah, ça y est. Violence. Bon bah ça marche pas mal ça. Allez. Salut Rancune, comment tu vas? Ça merdouille un peu et puis hop ça passe. Hop, qu'est-ce que j'ai de rigolo? J'ai vu passer des trucs qui me plaisent bien moi. Un Dodonpachi. C'est des. Dodonpachi. Ça fonctionnait ça? Est-ce que ça vous gêne le... Est-ce que vous entendez quelqu'un taper là? J'ai pas l'impression que les temps de chargement soient super... Ah, voilà. Super ouf ni super long, c'est pas. On va voir. Peut-être que c'est là que ça va me faire. Ça va me faire mentir. Fenrir. Wi-Fi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mon petit, il est à peu près à la mode de la 103 SP, vous voyez, qu'on retrouve avec les trottinettes. Enfin, les modes 103 SP de notre époque, qui refont avec leurs trottinettes maintenant. Thank you.
C'est un peu la sulfateuse. Ouais. Bon, ça marche nickel aussi, ça. Et on en essaie un dernier, un truc un peu... un truc genre Lunar de Silverstar. Donc là, je pense que quand on fait le reset, il présente le loader. Donc il voit le loader comme un vrai jeu. Je sais pas si vous voyez ma souris là. Vous voyez ma souris ou pas? Non, vous voyez pas. Là, vous voyez le loader, le S, là, c'est un jeu qu'on met. Donc on charge le jeu, qui est le loader qui est monté en tant que disque, qui nous renvoie sur ça. JKL. Toc, Lunar de Silver Star. Ça, normalement, c'est beau. Ok, on s'énerve pas. Ah merde, il est pas là. Ah ok. Parce qu'en fait, sur les Saturn, on pouvait rajouter ce genre de bête là. Je vais vous montrer la tête que ça. C'était une carte de décompression. Vidéo CD, donc c'était du MPEG 2. Je crois que c'est ça. T'as vu ça, ouais? J'en suis bon. Normalement, c'est les restos, hein. Et donc là, je suis en train de lui enfiler. D'accord. Ah, ça y est. C'est dedans. Hop. On recommence. En fait, il y avait des cartes, au même titre qu'il n'y avait pas assez de mémoire, il fallait racheter une cartouche avec de la RAM. Et on pouvait rajouter des cartes de décompression. Parce que nativement, elle n'était pas capable de le faire. Hop. JKL, Luna, Silver Star, Story. On va mettre ça. Non, il doit avoir la carte. Il va pas râler. Enfin, j'espère. Ok, bon, bah c'était pas ça. Regarde, vidéo CD, machin. Salut Guillaume. Bah salut PDP, bonne fin de week-end ou bonne fin de journée. Je sais pas si t'es encore en week-end, demain ou pas. JK. TN by Trick, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, il y a des subs. Ah, mais je vous montre pas ce que je fais en fait. Là, vous allez voir. Je vais chercher un café, je fais une pause technique, je vous laisse avec le générique de Luna.
Me revoilà. Bon, je suis pas sûr que le stream puisse durer encore 2 heures. Bon, ça marche. Est-ce qu'on va pouvoir jouer? Hop. C'est assez marrant, c'est... En fait, ça rend vachement mieux chez vous que chez moi. C'était quand même pas mal à l'époque. Qu'est-ce qu'on a de sympa qui doit rester? On doit avoir des... On peut peut-être finir avec un Sonic ou quelque chose comme ça. Il doit bien avoir un Sonic qui traîne. Hop. Sega, non. Shining Force, hein, c'est bon ça aussi. Hein. Sonic 3D. Allez, on va essayer Sonic 3D. Et après, on va parler de la CNC. On va refermer la Saturne. Hop. C'est moche. Ok. Isométrique.
Bon, c'est rigolo. Bon, ok. Allez, hop. On va la refermer. Ok. On va refermer ça. On va se remettre là. Hop, là. Comme ça. Que je ne me cogne pas. On va mettre du capton. C'est comme ça. On va mettre un petit coup de capton comme ça. On va plier. Hop. FCB de la Saturne. Cécile a été foncé 2D au départ avec 3D en plus, c'est ça. C'est exactement ça, Olivier. En fait, je pense que Sega avait en tête de développer, enfin, de faire la deuxième génération de jeux en 2D avec accessoirement un peu de 3D. Et je pense qu'ils se sont fait un petit peu damer le pion par Sony, en fait. Ah, bah en fait, non, c'est pas mal. Regarde, je vais vous montrer. Si tu veux avoir accédé directement à la carte SD, hop, t'appuies, elle sort, et hop, tu peux la remettre. Donc c'est bien foutu en fait, hein. Nickel. Toc, on ferme. Hop, ça. Il y a un truc qui se promène. Une petite rondelle. On va remettre les vis. Mais tu vois, c'est pas mal, hein. Après, c'est le genre de truc, ça s'adresse vraiment aussi aux fans de Saturne et compagnie, hein. Après, un petit test. Qu'est-ce que c'est ? J'ai tout le temps peur de flinguer. Ok. Hop, on remet un peu de mémoire.
On démarre. Arrête. Et on va voir si ça fonctionne. Lui, je vais le mettre dans un petit. Ah oui, ok. Je vais chercher un petit sachet qui va bien. Et Olivier qui nous dit qu'en plus, merde, je sais pas ce que j'ai mis, la Saturne est une plaie à programmer. Oui, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de ça. Aussi. Impeccable. Ok, ça roule. Alors, je vais faire quelque chose comme ça. Je vais ranger un petit peu ce coin là aussi. Voilà. Ça, ça va. Hop. Et je vais vous envoyer Donc du coup, là, dans le fond, j'ai amené la petite 38, c'est une CNC chinoise. Ma petite CNC chinoise 38, c'est une 3810. CNC 3810. Que j'ai trouvé chez AliExpress ou je sais plus, qui est doit être quelque chose comme ça. Oui, ça ressemble un petit peu à ça en fait. Voilà, l'idée tout simplement, c'est que ah, t'as la même, hein, Olivier. Alors du coup, moi, ce que je voudrais en faire, bon, faire des petits trucs sur du bois et tout ça, ça m'intéresse pas plus que ça. J'ai vu qu'il y avait quand même des gens PCB 3810 et ils font quand même des tout petits PCB. Euh,
Ouais, c'est ça exactement. En fait, l'idée, c'est que j'aimerais bien pouvoir faire ce genre de choses-là, en fait. T'en as déjà fait, Olivier, toi? Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement ça que je ferme en fait. Je vous rappelle que les codes qui ont Et tu les fais avec quoi? C'est quoi le soft que tu utilises? C'est Candle ou un truc dans le genre? Ah bah c'est ça. Candle. GRBL, c'est ça, ok. Windows Linux. Ok. Fixcoolab, CNC. On va faire un dossier CNC. Toc. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, KiGad, il va me générer. Un pote qui m'envoie des trucs. C'est vrai. J'ai de couper. Attends, Candle, il est là. Donnez-moi 2 minutes que je la branche. Je vais la brancher comment? En plus ça le truc. Bon, déjà je vais essayer de démarrer Candle. Hop. Salut virus, comment ça va? Candle, hop, il est là. Bureau, fixou, hop, CNC. Ah bah merci Munchpool. Tarif VZF de Candle. Ok. Et qu'est-ce que ça dit? Quand... Oh putain, binaire comme ça, tout est dedans. Des plateformes. Je peux leur faire un abonnement. Ben merci pour l'abonnement, Munch. Je regarde le chat en même temps. Mais attends, mais je suis bête. Moi, j'ai peut-être un dépôt Candle dans mon truc là. Tout de mon kikiné. Candle, 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 j'ai pas de dépôt Candle. Ok, quand je démarre Candle, il me dit quoi? Il est pas content parce qu'il n'a pas fait tout start because he could not find our load de Qt platform Qt. Ok, install XCB. Ok, va démarrer. Candle.
Version GRBL before continue issue plus ou GRBL pour graver les PC joues, il faut bien graver ta CNC. Le 0 allait pas trop vite avec une fraise fine et bien affûtée. Après, c'est comme l'impression 3D, il faut pratiquer pour acquérir de l'expérience. Bah ouais, Gerber, ok. GRBL, d'accord. Ok, bon bah je vais m'occuper de ça ce soir moi, c'est cool. On va faire un peu regarder GRBL. Et donc, je vais remettre ça. Hop. Et donc ça permet de faire ouais, des super petits PCB en fait hein. Ok. Bah, normalement en plus je dois pas le faire avec des composants traversants, je devrais le faire qu'avec des. Du SMD, donc ça devrait être encore plus facile à faire, pas besoin de se faire chier à faire les trous. Vas-y, il faut faire au moins des connecteurs pour aller alimenter, mais... Alors j'ai aussi une petite découpeuse laser, j'ai vu qu'il y en avait certains aussi qui faisaient des PCB avec du... Ouais, ils font comme ça en fait. Et après tu le remets aussi comme dans du perchlorure pour bouffer le cuivre qui n'a pas été travaillé, mais j'ai l'impression qu'à la CNC c'est quand même un peu plus facile. Ouais, il y a quand même pas mal de reprises et tout ça à faire. Bah, j'ai essayé de l'en faire avec la CNC puis on verra bien. Comment il fait ça lui? Ah, il fait là, il est à un sol aussi lui. Ok, bon, bah nickel. Bah écoutez, je pense que pour aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? 1h30? Ouais, bah c'est bien pour une reprise de. Reprise des streams. Pour ceux que je vois dans la semaine, eh ben, je vous dis à dans la semaine. Pour les autres, à dimanche prochain. N'oubliez pas qu'il y a notre chère Rancune qui stream demain soir. Pour ces cours d'électronique je peux pas faire de pub parce que j'ai tout rangé, vous achetez bien un câble et tout ça parce que c'est important. Et puis je vous dis bonne fin de journée, je vous embrasse tous bien fort, merci d'être venu sur le stream et puis à dimanche ou sinon à dans la semaine. Voilà, je vous embrasse tous, bonne fin de week-end, je vais me reposer un petit peu, bisous bisous, ciao.